Dans le cadre de leur mission au sein de la FINUL, les artilleurs français de la FCR, la Force Commander Réserve, ont organisé un exercice de coopération avec le bataillon italien. À cette occasion, deux canons César ont été déployés. Aujourd'hui, le nom de l'exercice est un Field Artillery Deployment. Il s'agit en fait de faire participer tous les bataillons de la FINUL avec l'artillerie française qui est déployée au sein de la FCR. La FINUL étant composée de nombreuses nationalités, avec des armées ayant leurs propres procédures artillerie, il est donc nécessaire d'uniformiser les protocoles de tir. Donc pour ce faire, nous créons des exercices comme celui-ci, au profit des bataillons de l'UNIFIL, et là pour le cas particulier, au profit du bataillon italien, afin de driller toute la procédure de demande de tir en partance des éléments italiens vers la batterie César. Avec leur appui-feu de 155 mm, les artilleurs français peuvent répondre rapidement à une éventuelle demande de tir de l'un des bataillons de la FINUL. Au niveau de la FINUL, c'est bien la FCR qui a la plus grosse composante artillerie et qui justement appuie les différents bataillons qui sont principalement composés infanterie, génie. L'entraînement se fait dans le plus grand réalisme avec un soin particulier porté sur la rapidité de la mise en batterie. Donc là, on a vu une mise en batterie inopinée, c'est-à-dire qu'on a une demande de tir pendant qu'on roulait, on arrive, on trouve un terrain dégagé qui nous permet justement de nous mettre en batterie. On s'arrête, on se met en batterie, il y en a pour une minute, le temps d'avoir les éléments par notre système Atlas, les éléments de tir. En deux minutes, on est prêt à tirer. Avec une portée maximale de 38 km et une cadence de tir allant jusqu'à 6 coups en une minute, les 4 canons César sont en mesure de fournir un appui-feu à tout moment sur la totalité de la zone de responsabilité de la FINUL.